Alors David, un petit mot, tu défends tous les peuples. Hein? Tu défends les peuples, les Kanaks, les hommes libres. Je suis là pour eux, mais pas seulement. Voilà, c'est ça. Je suis là pour eux. Ah oui, pour les bleus. Je vais les préparer à ce qui arrive. C'est ça. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Ça s'appelle une préparation. L'énergie est très importante. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Ouais. Que c'est notre énergie, parce qu'en fait, je bois plus de bière, elles sont toutes empoisonnées. Ah oui. Mettre de l'hydrogel dedans. Oh, tu bois quoi maintenant là? Du whisky. Y avait du boulet. Ouais. Est-ce qu'il y a un super cabaret? Ah ouais? Ouais. Enfin bon, je suis pas là pour ça. J'ai pas connu. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Nous arrivons aux 5 dernières minutes. Il va se passer des choses là dans les 10-15 jours qui arrivent là, non? Je sais pas, c'est ce qu'ils disaient à la réunion à la Nation tout à l'heure là quand tu étais là. Ouais. Il y en a qui disent, mais bon, ça fait longtemps qu'il doit se passer quelque chose. Non, j'y étais. Ouais, je sais. Il y avait des bonnes prises de parole avec. Sébastien Béraud. Ouais, j'étais en Allemagne. Alors c'est quoi que tu bois alors du coup? C'est de la noix de coco, c'est quoi? De l'eau de coco. Ah bon, ben ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Ça casse les goûts. Je suis désolé, pas dans ma Ah merci, bah voilà, une belle nouvelle. Regardez, qu'est-ce qu'il y a pas d'alcool dedans. Je t'ai dit, laisse-moi bien concentrer. Il y a de l'alcool ou pas? Je commence à arriver. Ça va mon loulou? Je suis pas bourré aujourd'hui. Il a agent, il boit du coco maintenant, du lait de coco. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Non, mais au fait, il est très important que je repasse des messages. Nous sommes à moins de 5 minutes avant le grand event. Ils ne sont pas prêts. Ah, ça va? Bonjour. Ouais, mais tiens, vous, je ne vous connaissais pas. C'est des nouveaux. À chaque fois, il faut toujours te recommencer. Young Water, c'est juste de l'eau. Hein, hein? C'est du l'eau. Ah bah dis donc. Eau de coco, moi j'aime bien ça, c'est bon. Hein. Avec pulpe. Hein? Il y a des vitamines là-dedans, mon père. Et t'as toujours ta voiture, c'est bon? Nous arrivons à moins 5 minutes avant le grand event. Ils vont établir une stratégie des millefeuilles. Ça veut dire qu'on va être attaqué dans 1000 endroits en même temps. Ça a déjà commencé. Sachez que nous sommes gravement en danger. Je sais que tout le monde, il y a des manifestations un peu partout. Mais croyez-moi, qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est votre imagination, la pire ou la meilleure, ne peut pas se l'imaginer. Et tu conseilles quoi, toi, là-dedans, là? Mais en fait, je n'ai pas de conseils à vous donner. C'est ça, c'est chacun en son âme et conscience. Votre intuition en son âme et conscience. Pardon. On va avoir beaucoup de morts. Ah ouais. De toute façon, dites-vous bien qu'au moment de la grande hécatombe, parce que ça va arriver d'un coup, toute la société va s'effondrer. Oh là là. Parce qu'en fait, il n'y aura plus assez de fonctionnaires pour faire bouger le système. Ah ouais. Sauf que là, ils vont installer la l'IA souveraine française. Ah ouais, elle est déjà prête. Allez, ben là, on a été filmé par les drones. Ouais, j'ai vu, il y a là. Tout automatique, on va être automatisé, quoi. Tout. On va devenir du Boston dynamique. Vivatech, Vivatech, Vivatech. Oui, oui. Mais il faut bien comprendre que nous sommes dans une merde totale. Regardez les derniers messages qu'ils ont dit. Hashtag, je chie dans la Seine, le 23 juin. En même temps, tu as la
J'écris des pubs là-dessus, tu tombes aussi une pub pour des carrettes. Ça tombe, c'est pour extra, on dirait une petite merde qui tombe. Ah. Balergia vient de sortir, là. Un pantalon où tu t'es pissé dessus, il chie dessus par derrière et pissé dessus devant. Donc en fait, quel est le message? Balergia, Balergia, qui fait les rituels sataniques. On est dans la merde. C'est bien le message. Ouais. Je pense pas, il y aura une partie, ils seront pas tous. Ça c'est sûr. Beaucoup ont compris, mais il est trop tard à cause. C'est déjà, les meilleurs sont affaiblis, sont exécutés, virés. Et en plus, nous avons 150 000 hommes de la milice sur le sol français. À peu près. Eh ben. Et lui, ils n'ont pas pris la pichou. Ah oui. Ils sont entraînés. Mais il va y avoir des étrangers, des Polonais, des je sais pas quoi, des, d'autres armées qui viennent aussi. Hein? Or aux gens de fort. Ça ne dit rien. C'est ça. Ils parlent même pas le français, pareil. Même ça, dans tous les grands événements. Oui, ils vont dégager. Mais là, il y aura. Il y aura un événement avant. C'est obligatoire. C'est ça. De toute façon, déjà, entre le 6 juin 2024 et le 23 juin 2024, attendez-vous à beaucoup plus. Entre le 6 juin et le 24. Entre le 6 et le 24 juin. Ouais, ça va être très chaud. Mais c'est surtout ça, c'est des dates butoirs, on appelle ça. Et ce qui se passe aux États-Unis, ça peut pas avoir après des répercussions c'est sur la France. Date où il y a quelque chose qui va. Mais aux États-Unis, il se passe aussi des trucs là-bas. Bah oui, ça a déjà commencé. Voilà, ça a commencé. Donc, c'est la guerre civile. Il peut y avoir des répercussions après. Quand ça commence à tomber dans un pays. Ouais, mais vous voyez pas tous les cataclysmes qui arrivent. C'est ça. Je t'ai dit, c'est la technique des mille feuilles. C'est-à-dire qu'on va tout avoir en même temps. Ah voilà, c'est ça. Ouais. C'est un conti qu'on va découvrir les possédés et les faces de démons. C'est pas moi qui le dis, c'est même le Vatican, il l'a dit. Et puis là déjà cette année c'est bizarre, il pleut, et les gens qui ont des jardins, ils n'arrivent pas à planter quoi que ce soit. Il pleut trop. T'as vu comment ça tombe là ça, ils sont là, ils sont. Mais affamés. Voilà, c'est et ça. Cet et... hiver, les conserves, ils vont avoir du mal. Ah ça c'est rempli d'un hydrogel qui tue. Là il boit plus de bière, je te filme pas toi, je te filme la bière. Il boit de l'huile de coco maintenant, il a compris que c'était. Ouais, je vois ça, ouais. Je suis un grand buveur de bière. Mais il paraît qu'il y a du chimique là-dedans, il veut pas. Non, non, là, ils sont passés à un nouveau level. À un nouveau level. Ça appartient à qui? À Bill Gates. Ah oui. Ah bah dis donc. Non, mais il faut bien comprendre que là. Regarde, c'est le crédit, regarde, crédit coopératif. Là. Là, depuis le CERN, le 8 avril, on a que de la merde. Ils ont fait plein de rituels. C'est ça. Et moi, qu'ils ont ouvert plein de portails. On a changé de monde. Et même le soleil ne se lève pas à l'heure, il se lève beaucoup plus tôt. Il y a un double soleil, en sachant que la Chine a lancé son propre soleil. Ah bah. Et oui. C'est dingue, hein. Il y aura deux soleils. C'est déjà en cours. Ah oui, c'est bizarre. Ma femme, elle regarde tout le temps le ciel, elle me dit qu'il est bizarre le ciel, oui, le soleil. Il y en a deux. Ouais. Plein de vidéos, il y a plein de gens qui le disent. Ouais, bah Valérie, elle et l'a vu. Il ne se lève pas au même endroit. Ouais. Elle dit normalement il devrait être en bas, il est encore en haut, je sais pas. Ah ouais. C'est pas sa position. Et il se lève pas aux heures normales. Par exemple, ce matin, le 23 mai, le soleil était debout à 4h32. Voilà, c'est impossible. Ouais. Mois de mai. C'est bizarre. Hein. Donc, vous voyez. Bon, ok, bah merci David. Je vais faire la fin de manif. On arrive à Nation pour les Kanaks. Allez, bah bon week-end et rentre bien. Et t'as toujours ta voiture, elle marche toujours, ça va? Ouais, ouais. Bon, bah c'est bon. Non, elle roule. Elle roule, ouais. Elle marche pas, elle roule. Allez, salut David. Bisous, bisous. Hey, ce qui arrive en Nouvelle-Calédonie, c'est un terrain d'entraînement pour ce qui va arriver dans toute la France. Ah ouais, c'est ça. Eh ben, c'est pas du gâteau, c'est tout ça. Un terrain d'entraînement, ce qui va arriver dans toute la France. Qui vivra, verra. On est à l'angle de la rue Guénot. La fameuse rue Guénot. Rue Guénot. Il y avait un ancien politicard qui s'appelait Monsieur Guénot.